Aux abords du barrage de la Rance flotte une drôle d'ambiance depuis un certain temps. Un nouvel habitant s'est installé ici et défraye la chronique. C'est un animal, s'il se sent agressé, il va réagir, il est capable de mort. Hein. Et moi j'ai vu ce machin-là attraper des bears comme ça, le couper en deux d'un coup de mâchoire. Hein. Je sors en catastrophe pour voir ce que c'était. Et puis juste à ce moment-là, je vois mon Alex derrière, qui était attaché avec une fusée, qui part, mais comme une crêpe, comme ça, qui monte assez haut, hein, comme ça, puis qui se retourne. Ben, costaud, hein. Moi, j'étais sidéré, donc je me dis, qu'est-ce que c'est? C'est un monstre marin, qu'est-ce que c'est? Beaucoup l'apprécient, et puis d'autres le trouvent dangereux. Donc voilà, nous avons un nouvel habitant depuis maintenant de 2005. Le curieux animal n'est autre qu'un veau marin. Abandonné par sa maman en baie du Mont-Saint-Michel, les soigneurs d'Océanopolis l'avaient récupéré, puis nourri et relâché. Au mammifère marin, l'animal a préféré les humains. Désormais, elle s'appelle Joséphine. Il est là. Ah bah oui, tiens. Tiens, il monte sur le Doris, là. Là, vous allez peut-être le voir, là. Là sur l'avant du Doris, là, il monte dessus. Puis, sur la plage, Joséphine redevient reine. Et comme toutes les reines, elle a ses biographes qui arrangent parfois un peu la réalité. Ce serait un avion de chasse qui serait passé trop bas, qui a affolé la mer a quitté son nid, c'est comme les oiseaux, ça réintègre pas le nid après, et c'est comme ça qu'ils ont été abandonnés. Et lorsqu'elle a été récupérée, elle avait encore son cordon. Pour elle, je suis un peu son papa, et voilà. Parce que, je sais pas, il y a eu un contact qui s'est fait, qui s'est établi vraiment tout de suite, quoi. Je vous dirais franchement, on a eu du mal à la faire accepter. Parce que dans le village, elle était mal vue, étant donné que son petit défaut est sauté dans tous les bateaux. Et tout ce qui n'était pas attaché dans les bateaux, eh bien, est viré par-dessus bord. Alors, elle était mal vue. Et puis en plus, elle mangeait du poisson. Elle aime bien qu'on la gratte sur le ventre. Et elle aime bien s'accrocher, mais comme avec des bras, quoi. Prendre vraiment presque enlacé, quoi. Sinon, elle aime bien, c'est venir rejoindre sous l'eau. Où là, elle vient, elle se met collée à nous sous l'eau et nager un petit peu avec elle, quoi. En journée, Joséphine courtise avec les hommes. Dans la nuit, elle reprend son rythme sauvage et la chasse aux poissons.